C'est YouTube, on se fait un zazel parce que on vient de faire deux runs Eden cauchemardesques. Pas sûr que tu les aies vus sur YouTube d'ailleurs. Faudrait qu'on fasse des parties avec Jackie et Issou aussi. Hein. Je dois bien vous avouer que pour l'instant c'est surtout un coach quoi. Il garde mon The Fool du coup. Pourquoi? Je sais pas. Ah oh, ça fait tellement du bien. Le seul perso où dès le début y a pas d'embrouille quoi. On joue quoi. Sympa de jouer au jeu. Hey, j'ai pas trouvé mon objet du coup, innocent. Oh là là. Festival. Festival. Allez. Oh, lui, il a forcément déjà fait boss rush, oui, et hush. Oh, le bébé sec. Excellent. Un bon poteau, le bébé sec. Ah, elle était... ouais, je vois où était la secret room. Est-ce que Joseph... Joseph. Quoique non, j'aurais pu, on n'est pas en recherche de vitesse. Ouais, je déconne. J'aurais dû prendre la secret. Ah. Oh, le bébé sec. Oh, c'est le meilleur. Bébé sec, quand il se fait toucher par des larmes ennemies, souvent, il balance un petit effet de mort de masse, là. Ah, je suis pas une merde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pas être une merde. Très bien. C'est con en plus, j'avais Seeker bleu. C'était plutôt bon bail. Ah, on va se refaire, on va se refaire. Un jour, je vais le tuer lui. C'est beau, mais c'est long. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre Mom's... Pas sûr. Bah, surtout que maintenant j'ai ça. Donc non. Ensuite, on peut avoir des trinkets forts hein, grâce à la boîte de maman, mais... C'est incroyable ce trinket, c'est le trinket vu qui remplace le chat. Vous verrez. Il n'y a pas de rocher marqué, on peut pas voir son effet incroyable. Je suis pas une merde. J'ai pas de quoi vous parler. Okay. Ça c'est bien aussi. Toujours décevant hein, de le défoncer. Attends, mais on n'a pas fait on n'a pas fait Mother.
Qu'est-ce qu'on fait, Mother? On peut faire Mother, hein. C'est une autre possibilité. Ou The Beast. Ah, je suis mort à Mother avec Azazel. Oui, c'était la première fois que je la voyais. On avait failli réussir. Exact. Ou tenter The Beast. On va tenter The Beast. Sinon, on a The Lamb. Si vraiment tout part en couille ou si, comme un connard, je rentre encore dans la salle de boss après avoir fait The Fool. Une de mes spécialités. Un signature move même, j'ai envie de dire. Oh, c'est pénible, hein. Même pénible d'être aussi nul, hein. Alors le problème avec Azazel, c'est que ouais, The Beast sans range, ça a l'air d'être infernal, hein. Si je trouve pas Brimstone ou 12 000 range up, ça va être un enfer. C'est sûr. J'en trouverai une autre de The Fool. Je sais comment. Il y en a deux similaires. Range up, ça c'est bien. D'ailleurs, c'était risqué. Si j'avais eu range down, j'aurais été en PLS. Peut-être que j'arrête maintenant. La rétrovision, quel plaisir. C'est le coup de poing américain à droite. IPCAC, ah oui, mais du coup, vomi explosif. Mais juste plus de dégâts. Mais le vomi explosif au bout, là. J'avais déjà eu. Ah, mais j'ai les deux. Ah, c'est une double. Moi, j'ai pas peur, hein. Peut voler secrets, probablement. Je viens de comprendre le problème principal de ce build. Ça, c'est juste pour la collecte. Être là ou pas? Bah non.
pourrait chercher des échelles de cordes, hein, des trucs de gros schlag. Double pompe, très impressionnant. Super secret, c'est là. Petit dark bum là. Voilà pourquoi je devais tuer les ads avant d'utiliser mon truc. Idiot. Très bien. Ah, Pyromaniac, ce serait incroyable. Ludovico aussi. Oh, Ludovico, ce serait drôle. Dommage pour le cœur rouge. Ça donne de la range aussi? Non. Incroyable. Pas de mapping bien sûr. Oh le Magic Mush, vous le sentez? Petite odeur de Magic Mush là. Ça c'est très bon ça par contre. Shot speed down. C'est chier, je sais pas si j'ai envie de me prendre la tête sur les secrets là avec zéro mapping. À méditer. À bon entendeur. Quoi qu'en même temps j'ai juste à faire ça, hein. C'est pas une vraie prise de tête. Hein. Voilà. Mais oui, j'ai Momski. Oh là là. Oui, 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 oui. Ah, c'est con d'avoir pris speed down juste avant. Je passe à moins 1 de speed, enfin à moins de 1. Mais je suis puissant. Polydactylis, c'est oui, hein. Je suis une merde. Je vais pouvoir utiliser ceci à foison. Par contre, si j'ai une bip satanique ou autre chose, là, j'ai de quoi l'utiliser 6 fois. Ça, ce serait bon bail. C'est rétrovision. C'est fort quand même parce que ça donne beaucoup de pilules hein, les champis. Oh. Oh. Ouh. Ouf. Allez, le jeu au ralenti plus les petits. Les petits familiers du plaise. J'ai pas trouvé la super secret. Ah mais si elle est à l'autre bout du monde, on va se faire chier. Hein.
Elle peut pas être là ni là d'ailleurs, c'est le boss. De toute façon, on n'est plus dans une démarche de boss rush là. Quoi qu'on pourrait, hein. On pourrait. Ne serait-ce que pour voler un objet. Allez, attends, l'idée, elle est sûrement là. Peut-être. Aucune idée. Du mapping. Non, en fait, non, même pas. Hein. Vas-y, je me casse. Ah si, 50 pelles. Non, je me suis fait mal pour le prime. Ah si. XKISS, Yorosoken, Oregon, Inuxa06. Merci, merci beaucoup pour vos primes. Merci pour les receps. Cerber, Zloikas, Chibre, Inflexible, Yolos 3, Alaska. Merci. Mais quoi, le monstre, il est allé sur mon familier, mais quelle escroquerie! Oh là là. Oui, j'ai eu la salle d'objets, c'était Polydactyly. Ça, ça m'avance sur Conjoined. Et ça, c'est ok aussi, mais sauf qu'il y a la mouche qui pète. Est-ce que ça vaut vraiment 3 cœurs? Ensuite, l'avantage d'un des... C'est que ça me fait du DPS à distance. L'avantage des cavaliers de l'apocalypse. Ah oui, Conjoined avec IPCAC. Ouais, non. Bon. On quitte les caves par contre, il va y avoir beaucoup moins de pieds de champignons maintenant, c'est Feels Bad Man. 14 minutes 14. Je prends pas les Curse Room, je devrais quand même, c'est un demi de dégâts, j'aurais peut-être dû les prendre. Un peu tard maintenant de gamble là-dessus, mais bon. Ah, mais il y a les crânes cependant. Vas-y, vous savez quoi? Je crois que je peux attendre d'avoir une option de téléportation peut-être. Ah bah voilà, Conjoined, on va l'avoir grâce au crâne. Je crois que j'ai déjà le Dry Baby, donc... Oh, ça commence à être un sacré bordel. Donc ça, ça annule les larmes maintenant. J'ai un vomi blindé. Ouais, Locust of Famine est bon. Les mouches, c'est cool. Mais... Mais pouvoir ouvrir les coffres sans clé, avec seulement 3 clés, c'est très bon aussi. C'est le problème. Mais j'ai pas de thune. Ensuite, la thune, je peux la spammer. Hein. Oh, y'a ça! Oh putain, ça serait. Oh oui, en vrai. Plutôt confortable de le pré-shot, ça. Comme ça, c'est réglé. Il n'en reste plus qu'à trouver le. Le full. Ah mais non, mais on est un là. Oui. Mais du coup c'est rigolo. Ah non. Je me disais, ça se trouve il me met pas l'emplacement de porte rouge là où il y a les secrets parce que c'est pas possible. Genre là. Pas du tout. Ou là d'ailleurs. Super secret. Pourquoi je continue là? Non. J'ai l'item room, j'ai le shop. Oui, non, on y va. Quoique, est-ce que j'ai vraiment envie de faire le boss rush? On est normalement dans une optique de farming. Bon. À voir. Oh, la puissance du build, par contre. Quelle belle histoire. Hein. Cambion Conception, qu'est-ce qu'on en pense?
Je suis pas sûr que je me ferais assez toucher. Pour que ça soit intéressant. C'est non, je pense. Et du coup, on a aucun level deal. Heureusement que le build est fou. Hein. 17 minutes. Non, vas-y, on va pas jouer le boss rush. On va chillax. En mode relax. Tout à fait. Il y a des crânes, il y a plein de trucs à farmer potentiellement. C'est la range down. Je me suis dit que c'était ok parce que j'ai eu deux range up. En fait, je me demande si j'ai pas envie d'acheter le sac de pilules. Probablement, en vrai. Je sais pas ce que ça fait ça encore. C'est pas grave. Je connais une machine de don qui va prendre cher. Hein. Petite échelle de corde aussi, ça peut être cool. Hein. C'est cool. The Fool, on le trouvera forcément à The Depths 2 si on défonce le bon crâne. Ah putain, le range down, c'est vraiment la tristesse pour le coup. J'avais vraiment plus besoin de piffer de pilule, c'était greedy, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Par contre, j'ai un tier rate là quand même. C'est confortable. Hein. On enchaîne. Hein. Prochain marqué. Ok. Putain, le range down, c'est triste. Ok, il y a des crânes là et on va acheter les pilules. The Stars, c'est une option de TP. Nice, c'était worse. Petite échelle de corde là. Comme ça, discretos. Ah, il y a ça aussi. Ah, mais Osef. On pourrait pas avoir l'autre. Celle qui était bien. J'étais bien avec mes deux range up là, j'ai quand même perdu 0,5 de range. Ça, c'était de la bite en bois. Izubiti. La curse, oui, on peut faire la curse. J'ai récupéré beaucoup de cœurs bleus. Ça va être quasi à fond là. Très décevant. Échelle de corps là. Ok, j'ai toujours mon The Stars et ma Cracked Key. Parfait. Faut juste me souvenir de pas re-rentrer dans la salle de boss après avoir fait le boss. Hein. Après m'en être enfui. Ça serait salvateur. Petite échelle de corps là. Honnêtement ça se fait, c'est cool, c'est cool. Il n'y en a pas forcément dans chaque niveau, hein. C'est terrible.
Feels bad. Je suis une merde. Je l'ai senti. Hein. Je l'ai senti au moment où je le faisais. Très bien. Alors, nous y sommes. J'ai du mapping, c'est trop aimable. Ça peut jamais être là où il me montre une salle rouge, c'est ça que je me demande. Dommage. Bravo. C'est confort. Pas sûr, hein. Strange Tractor, ça fait que mon tir devient aimanté. J'imagine que c'est globalement une mauvaise idée. Avec ce tir. Ça donne peut-être un tiers up, mais bon. Tiers up, j'en ai plus vraiment besoin. Donc si c'est inconfortable, faut pas le prendre. En gros, c'est ça. C'est the Fool. Ah non, rien à voir. Laissez-moi prendre Strength au cas où il y a un Black Market. Non. Oh, oh la dingues. Oh, J'ai perdu 3 de dégâts. Mais j'ai double shot. Alors c'est ok. Attendez, ma craquille, je vais la laisser. Je vais prendre Strength et The Stars. Je crois que j'ai des cœurs. J'ai des cœurs noirs partout. Dans le niveau, mais c'est au cas où justement j'ai un Devil Deal vraiment dingue, bien chez Ross. Oh là là, beaucoup de choses à gérer là. Hein. 2 secondes. Il est sérieux là? Vas-y. Je peux pas gérer la fleur. Merci. On la connaît pas celle-là? Pas encore. En plus j'ai solde Steam. Nice buy. Oh non mais avec Amnesia ça va être tellement casse-couille. Oh là là. Ah, j'ai des mendiants aussi, faut pas l'oublier. Oh oh oh. Sont la fête, il y a un cœur bleu si jamais.
Oh, le double shot là. Ah, oui, la fameuse. Oh 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 oh. Un story fraîcheur là au magasin. Qu'elle fait la Bible sur Mother d'ailleurs. Là on va pas affronter Mother mais c'est une bonne question. J'ai eu des bouquins en main. Non, dommage. Une bibliothèque? Ah non, elle aurait été près du début du niveau. Je suis une merde. Oh là là, la Sacrifice Room, il y avait de quoi faire, hein, mais tant pis. Alors. Normalement, il y aura un shop, hein, on est bien d'accord. Alors, étage de mort après. Parce que j'ai envie de mettre dans ma machine de dons, du coup, mais c'est trop auto, je pense. Je crois qu'il y a un shop au génie, enfin le truc de mort qu'ils vont mettre après. Attends, non, là on fait la remontée. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On joue quoi? On fait la remontée, donc c'est non. Si. Non. On fait la remontée direct, là. Non, on fait pas... Non, la remontée, c'est... Attendez, je m'énerve pas. Mais non. Oui, il y a Génia d'abord, ça. Ouais, ok, ok. Alors. Du coup, je garde mon strength si jamais j'ai Devil Deal. Accompagné d'un truc pour revenir. Donc, The Fool, en l'occurrence. Strength, The Fool. C'est ça, le move. Ensuite, il faudra que je récupère ma Cracked Key. Et, Et il y avait encore des salles. Et un Ziyaramite ou compagnie. Ah, j'ai de l'argent à investir aussi. Peut-être pas là, mais j'ai un mendiant dans le coin, ici. C'était prévisible. Ok. Pas de Devil Deal. Feels Bad Man. The Fool. The Fool. Ah, j'ai pas eu l'item room, c'est vrai ça, non? Ah si, Magnetic Tears, oui, on la dodge parce que c'est horrible. J'ai rien d'autre à faire là, on est d'accord, il y a un cœur éternel, mais en vrai, je m'en fous, je pense. Ensuite, j'ai pas de peau là, donc je peux le prendre. C'est juste là, ça fait disparaître un cœur noir. Two of Diamonds, mais je l'ai claqué mon Two of Diamonds. Avant d'acheter la Bible. Ok. Allons-y. Attendez, c'était quoi? J'avais un spacebar item avant de prendre cette bible? Amnésique. Ah oui, Monstrous Tooth.
Ensuite, la bible me sert à rien. Je vais le récupérer. Où ça? Au secours. Un cœur éternel, si j'en ai deux, c'est des demi-cœurs éternels. Si j'en ai deux, ça se transforme en HP up. Si j'emmène mon demi-cœur blanc, si j'emmène le demi-cœur à l'étage prochain, j'ai un HP up quand j'arrive à l'étage d'après. Qu'est-ce qui va se passer là? Attendez, je suis amnésique. Ah oui, ça c'est le mendiant. Ça c'était la machine, donc c'est là. Ok. Ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Ok. T'avais pas un intérêt à rester full bleu et full noir pour trigger polar. Le polaroid, on l'a utilisé dans la machine, enfin dans la porte, pour pouvoir y entrer. Donc en fait, on a pas de polaroid. C'est quoi ce truc bleu? On connaît pas. Oui, mais c'est vrai qu'on est en slowdown. C'est une partie slowdown parce qu'on a eu la stopwatch. Oh là là. On est gâté, hein. On est quand même assez gâté. C'est quoi ça? Telescope lens, seek the stars. Ça cesse. On n'a pas de curse? Incroyable. Shrink shot, ça les rend petits, on peut les écraser, ça donne peut-être un tears up mais pas sûr, ou sinon le pif. Mais la dernière fois que j'ai tenté un pif avec Ipecac, j'ai eu le miroir. Ah mais le miroir avec Azazel, on s'en fout. Soy milk, c'est cool. Piggy bank, c'est ok, enfin c'est inutile. Je me fais toucher, je drop de l'argent. Petit money equal power là. J'avoue, le money equal power il nous mettrait bien. Aïe. Il nous mettrait très très bien. Faut que ça s'arrête. Merci. Ouais, ça doit pas être possible. Oh là là, si seulement j'avais un bon objet activable. Ça c'est incroyable, hein. Ça, plus je fais de DPS, plus je charge mon objet. Bon, en vrai, c'est pas si mal, je vais pouvoir spammer Monstros tous contre les boss. Les boss à rallonge. On a connu pire. Double curse room, on s'en fout un peu. Quoique pendant la remontée, s'il me met des double curse room, hein, c'est des visites gratos. Ouais, non, c'est un peu weak, hein. C'est quoi la bleue? Dommage. J'ai même pas gagné de luck avec tout ça. What the fuck? C'est aléatoire ou quoi? Ok.
Comment il accélère les pièges juste en restant collé à... Ouais, alors ce Six the Star, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un mauvais prank. Genre des téléportations. Téléportation à l'item room. The Star, ça rappelle item room. Hein. Oh, et excellent. Vous savez quoi? C'est excellent. Parce que de la range, là ça m'en donne beaucoup. J'en ai besoin de la range avec ce perso dangereux. Le clear hein, quand même. Il y a des batteries partout. C'était voulu, hein, bien sûr. Très bien. Oula. Dis-moi, Nicole Power, là. Même si on a dépensé un peu d'argent. Il manque la super cicade à trouver. On a quasiment clean, hein. Ouais, c'est clean. Non, j'avais déjà essayé là-bas, aller à gauche. Hein. Tant pis. Je prends le bait. On avait déjà essayé. Ok. Magasin, il n'y avait plus rien. Intéressant. Elle marche plus la stopwatch. Si, si, elle marche. La musique est ralentie là. En fait, la stopwatch, c'est constant, mais c'est pas un slowdown super énervé. C'est un petit slowdown. Et le fait que ça soit constant rend ça super fort quand même. Forcément là, non? Est-ce qu'elle peut pas être collée à une petite? Ah, c'est en bas. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a ce connard que j'ai pas testé toutes les possibilités, n'est-ce pas? Ça va faire quoi? Et on s'en fout un peu. Ok. Revenu en arrière, oui, c'est ça. En fait, elle est revenue à ce qu'elle faisait par défaut, sauf que le slowdown, maintenant, il est beaucoup moins puissant. Parce qu'ensuite, elle avait été mage nerf une première fois, il fallait se faire toucher pour avoir le slowdown. Et là, maintenant, on est revenu à la première recette, sauf que le slowdown est moins fort. Bon. Bah, du coup, je vais quand même essayer de full clear, je pense. Par curiosité et vérifier que tel le crâne à Depths 2, c'est garanti l'apparition de la clé en trinket. Pour ça, pour pas que je me fasse chier à faire des runs inutiles plus tard. Ok, marrant. Ok,
Ensuite, le comble, c'est que ça serait qu'ils en mettent pas parce que j'en ai un. C'est le contenu de repentance, ça c'est un des contenus de repentance en effet. Enfin c'est le principal, ouais. Enfin, pas vraiment, parce qu'après il y a tous les nouveaux persos surtout, mais... Ah putain, mais il écrase mon pote, hein, faut qu'il arrête de faire ça. Putain, je me suis fait toucher, c'est intolérable. Rocher marqué. Véritable info ou info chat ça. La réponse dans quelques instants. Bien vu. Faut quand même que je regarde là. Ça se trouve était... Je vais juste vérifier si je vais voir une cracked key quelque part. Je pense pas que c'était un coup de moule quand même la dernière fois. C'est prévu quoi. Pas de panique. Je vais juste voir, je crois que ça a été nerfé ça aussi, hein, Lucky Rock. Et avant, il y avait moyen de devenir si riche. Ah ouais, en effet, il y a eu zéro pièce là. Toujours pas vu de cracked key. Ok. Est-ce que la dernière fois aussi c'était dans un boss room? Ça peut être la deuxième info intéressante. Alors, est-ce qu'il faut laisser un truc dans les salles de boss pour qu'il pop? Bon, ça m'étonnerait, mais... Je me disais qu'est-ce que j'ai pas eu, j'ai pensé que j'allais me faire baiser, je l'ai quand même pris, c'est de ma faute. Vu que j'avais eu que des bonnes choses, c'était une erreur à plus d'un cœur de la jouer, cette pilule. Et je sais que ça pouvait pas être range-up, donc c'est vraiment une erreur. Ok. Superbe. Mais attendez, vous savez quoi? J'ai quand même m'assuré. J'ai envie d'ouvrir une salle random avec Cracked Key pour rigoler. Ensuite, on pourrait... Non, je crois que c'est impossible. Il n'y a pas deux salles ouvrables à la maison. Bon, j'ai quand même gardé. Mais problème, ça me fait chier parce que si je garde les deux Cracked Key pour la maison, du coup, j'ai plus ma carte Strength. Et c'était quand même Gucci pour le dernier boss. On va dire que pour les soucis de faire l'expérience, on va garder les deux Cracked Key.
Et je pense que c'est 0 tiers. Je fais une grave erreur. Bon. Non, faut que j'arrête de faire ça. Ouais, il peut défoncer mes potes, sale bail. Ça serait sympa pour le dernier boss d'avoir le petit poussin. Quoi que c'est des... ils volent pas, donc est-ce qu'ils vont voler aussi? Ou ils vont tomber dans la lave lamentablement? Oh! Waouh! Oh mais non mais je vais me prendre celui-là, c'est... exprès là. Quand même con de pas partir avec strength hein. Et qu'est-ce qui se passe si j'ouvre une salle ici? Rien. Ça me démange d'en utiliser une ici quand même. Mais putain, le problème c'est que j'aurais plus strength. Si je drop une carte forte, peut-être que j'y pense. Démange un peu quand même hein. Au secours. Attendez, il y avait... Je crois que c'est au premier étage, basement 1 ou 2 où j'ai pas... J'ai pas fait les secret rooms, mais elles sont plus là je crois, enfin c'est pas clair. Elles sont plus là. Il faudrait vraiment s'en débarrasser parce que c'est un problème, voilà. Ah bah il y en a une autre. Ah mais encore dans une salle de boss, pourquoi? Je suis une merde. Ah et là on a plus. Qu'est-ce que je fais? Et là on a plus le droit. Et quoi en fait? Ok, je le saurais maintenant. Enfin, il fallait que je tente. C'est trop bizarre qu'ici on n'ait plus le droit du tout. Et qu'avant on avait le droit. Trop trop bizarre. Ah, fait chier. Ok. Alors du coup ils m'en ont filé deux des cracked keys, mais est-ce que ça sera le cas à chaque fois? Parce que le problème là, j'aurais pu tenter parce que j'avais une cracked key sur moi. Putain, fait chier, ça se trouve j'ai loupé un truc insane. Ah mais non, là on peut. Pourquoi là? Non, c'est nul. Ça joue juste des niveaux comme d'habitude, comme dans Anti-Burst. Oh là là. Not like this. J'aurais dû garder toutes mes clés pour Home finalement. C'est pas grave, j'en ai une là. Hein. On va dire qu'on fera l'essentiel. C'est-à-dire... débloquer l'autre. Oh lui il est super chiant. Lui il est méga chiant.
Superbe. On aurait pu continuer à pousser, mais... Où est-ce que le bait, c'est là, j'utilise ma troisième cracked key et j'arrive dans un endroit insane. On va débloquer à... Tainted Azazel. Ça vous dérange pas? Par contre, c'est quoi ma carte? C'est The Sun. Putain, c'est claqué au sol. Bon, toi, tu vas être mon pote. Ouais. File-moi une carte forte, s'il te plaît. File-moi des trucs bien. C'est quoi ça? C'est bien? Mais encore. Je veux bien devenir Guppy, hein. J'ai rien eu de Guppy, je crois. Ah, je voulais absolument pas qu'il le tue, j'ai Momski. Pas sûr. Hein. Je pense plutôt que c'est très dangereux. Oh, le coach. Oh, mon ami, le poussin. Oh, j'ai pris beaucoup de dégâts par contre. J'ai même pas droppé une strength ou un truc. C'est chiant. Je suis pas content. Ah, Mintos. Ça m'angoisse là, ces cracked keys. Je sais que je vais avoir mon perso tainted, mais je sais pas si le chat me troll ou si j'ai vraiment loupé un truc énorme. Bref. Quoi qu'il en soit. Dithrine. Oh non, mes copains. Feels bad, man. DPS, ils sont là, hein. Pas de problème là-dessus. Plus la range. Et j'arrive pas full life, surtout. Je me suis fait beaucoup toucher. Un peu peur, quand même, hein. Pour la fin. Est-ce que je la prends la Big Beautiful Fly là? Non, c'est un plan cul hein. Non, en plus je vais avoir que des boss donc... Crack key, j'avais trop peur d'appuyer par erreur à chaque fois. Oui, c'est pour ça que j'alterne.
Broken Ice. Ouais, c'est toujours un objet de maman, quoi qu'il arrive. On a eu Mom's Contacts, là on a eu Mom's Perfume, on a eu Mom's Trinket. Ok, c'est super lisible, c'est pas chiant. Les DPS sont là, hein. Mais comment on lit ça? Ok. Mais quoi? Mais comment? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, c'est fini. Et what the fuck? Je connaissais pas ce pattern de mort. En fait, il fait une direction différente à chaque fois, c'est ça? Ça, c'est facile. C'est free. Oh, je suis écœuré. Ah, c'est fini. Ouais. Hein, pourquoi? C'est mon trinket? Pourquoi j'ai trois cœurs bleus? J'ai aimé en tout cas. J'ai adoré ce qui vient de se passer. Ça va être dur, mais l'espoir est revenu. Quoi? Mais putain! Mais Nick! Oh, c'est trop chiant d'avoir zéro range. Bravo. Atroce. Oh, mais je me suis fait toucher là. Ah oui, parce que la hitbox, elle commence là, même verticalement. Eh ben, Nick. Ah, je suis bien une merde. Ça fait plaisir d'être une merde. Ok, c'est injouable. C'est injouable. C'est le problème de Azazel, c'est que c'était injouable. Ok. Mais on a débloqué un Azazel de mes couilles. Azazel pour repentance. Qui n'a l'air de... Il vole plus, c'est ça? Il a pas rien de spécial. Il a 4 de dégâts par contre. De base. Des bisous YouTube. Je tiens au jus quoi.